11 septembre 2001, deux avions détournés ont frappé le World Trade Center's Twin Towers dans New York. Et un a frappé le Pentagone juste hors Washington. Un quatrième a brisé dedans un champ dans Pennsylvania. Commerce à Wall Street avait arrêté. En crainte des attaques additionnelles, l'administration fédérale d'aviation a dirigé tous les vols nationaux de brancher à l'aéroport le plus proche pour la première fois dans l'histoire américaine. Canada était un site d'urgence pour les centaines de vols américains. Pour plusieurs heures, le front américain-canadien était fermé. Après seulement 45 minutes, Canada a commencé d'accepter 280 avions et plus que 33 000 personnes. 12 000 personnes étaient accommodées dans petites communautés canadiennes. Jean Chrétien, notre premier ministre dans 2001, était un des premiers chefs du monde de parler au président Bush. Chrétien nommait les attaques un acte lâche de violence indescriptible. Il est impossible de comprendre entièrement le vol qui aurait créé un tellement assaut lâche de diffamer. Le gouvernement des États-Unis a déterminé que Al-Qaïda et Osama bin Laden étaient responsables pour les attaques. Osama bin Laden, Ayman al-Zahiri, Abu Yahya Rafi, Ahmed Taha, Sheikh Mir Hamza et Fazlur Rahman avaient signé une fatwa pour la tuée des civiliens américains. La raison qu'ils ont dit est que les États-Unis supportaient Israël, l'occupation des États-Unis dans la péninsule arabienne et l'agression du peuple iraki. Osama et son collègue pensent que les États-Unis gaspillent les ressources de la péninsule arabienne et supportaient les régimes abusifs à Moyen-Orient. Un champ dans Pennsylvanie. Le Pentagone dans Washington. The Twin Tower down New York. Les effets après les attaques. Ma mère. Monsieur Borden. Bonjour. Nous sommes d'un groupe féministe et nous pensons que c'est temps pour une prohibition au Canada sur la coupe. Mais quelles sont vos raisons? Les hommes qui travaillent chaque jour ne sont pas à la maison au nuit parce qu'ils vont au bar pour dépenser leur argent sur l'alcool et pas sur les nécessités pour la famille comme la nourriture. Oui. Ça laisse les enfants très abandonnés et sans nécessité de vie. Aussi, nos soldats sont aux guerres et nous devrions leur supporter. Tout l'argent extra que nous pouvons les envoyer seront très bons pour lui. Oui, ce sont des très bons points. Merci beaucoup pour venir ici. Je vais parler au conseil. Merci, Monsieur Borden. De rien. Au revoir. Au revoir.
Ah, bonjour. Vous voulez passer la frontière du Canada? Oui, monsieur. Oui, on a juste visité la famille. Oh, très bien. Est-ce que vous possédez des produits illégaux comme l'alcool? Non, monsieur. Non, jamais. Oh, désolé. Mais savez-vous que chaque mois, $1 million de produits d'alcool passent de la frontière de Detroit à Windsor? C'est très grave. Oui, c'est terrible. Mais vous pouvez passer. Merci. Allez-y.